pop, funk, rock et électro, General Electrics, un groupe au style inclassable. Hervé Salters, leader du groupe et fan de synthé vintage, aime mélanger les genres. Tout ce que moi j'aime, je mets ça dans le sac et puis je secoue et je vois ce que ça donne, quoi. Et l'idée c'est de faire ça sans censure, de laisser venir les morceaux et de pas trop calculer justement pour savoir si ça va faire un morceau de rock ou de funk ou quoi, mais juste laisser partir. C'est avec ce morceau, Raid the Radio, que le groupe se fait connaître du grand public en 2009. De nouveaux sons entêtants. 2016 peut être l'année de la confirmation pour General Electrics avec leur quatrième album To Be a Stranger. Un opus où Hervé Salters, parisien d'origine, revient sur sa vie d'expatrié. J'ai ce sentiment d'avoir perdu mes racines et de ne plus appartenir à nulle part, qui est un sentiment un petit peu aigre-doux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très chouette avec ça, puisqu'on se sent assez libre, on a la sensation d'être un petit peu, de flotter en observateur au-dessus des choses. Et en même temps, on se sent un petit peu nostalgique, parce qu'on a plus cette espèce de confort qui vient du fait d'appartenir quelque part, quoi. Vendredi soir à la batterie de Guyancourt, le groupe était face à un public conquis. Certains même les suivent depuis leur début. Nous, on les a souvent vus au Bataclan ou à la Cigale, donc c'est pas des salles très très grandes. Mais c'est là, super chouette d'aller voir à côté comme ça, pas cher, bien. Ça bouge bien et ça me donne très envie de découvrir. J'ai pas encore écouté le dernier album, mais je préfère le découvrir sur scène. Moi, j'ai découvert la General Electrics il y a quoi, 7 ans. À la Clé des Champs, à plaisir, et ça a été le coup de foudre, c'est génial, et depuis j'essaye de voir tous les concerts. General Electrics est en tournée jusqu'à fin novembre. Ils sont programmés dans de nombreux festivals d'été, dont les Solidays le 26 juin prochain. Une preuve qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Angle.